Et en ce moment, l'Europe vit un ralentissement économique, une reprise trop fragile, un chômage trop élevé. Alors, il faut mettre davantage la priorité vers la croissance, vers l'emploi, ce qui suppose, au-delà des décisions de la Banque Centrale Européenne, une réorientation de l'Europe, un plan d'investissement, une initiative de croissance.